Allô tout le monde! Ça fait vraiment bizarre de faire une vidéo en français. Je viens juste de le tourner en anglais, mais j'ai eu des demandes pour faire mes vidéos en français. Fait que je vais réessayer d'en faire. Mais je vais juste les envoyer sur ma chaîne YouTube. Je ne les mettrai pas sur mon Instagram. Mais si vous aimez beaucoup les trucs de Loche, vous pouvez aller voir mon Instagram. Le lien est en dessous. Puis sérieux, je dois poster genre plus qu'une fois par jour. Si je sors d'une journée, le lendemain, je dois en poster 5. Fait que là, je viens juste d'ouvrir ma grosse boîte de Boxing Day que je viens de recevoir. On est le 6 janvier. C'est la fête à Esteban, mon plus vieux garçon. Puis j'ai fait ma commande exactement le 26 décembre, genre à 9h13 le matin. Là. Ça a pris 5 fois, mais j'ai réussi. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'avais commandé beaucoup de petits cadeaux parce que moi, j'y trouve vraiment cute. Puis ce que je fais, petits cadeaux, ce que je fais, c'est que j'enlève le stock qui est dedans, puis je remballe. Puis je m'en resserre. Bien, l'année d'après, quand je fais mon sapin de Noël, je remets tout ça tout de suite en dessous. Ça fait plus plein, ça fait plus garni. Puis ça me fait des boîtes tout prêtes quand j'ai des petits trucs à donner vite, comme souvent des cadeaux de professeurs. Fait que des fois, je regarde si j'ai des trucs, que ça c'est du Loche ou pas. Mais si j'ai des trucs de Loche que j'ai en double ou en triple, j'en mets un ou deux, je rouvre la boîte comme il faut, je remets un ou deux dedans, je referme, puis je vais juste comme enlever l'étiquette qui dit les produits, vu que c'est souvent plus les mêmes. Puis je le donne au professeur. Ou un cadeau d'hôtesse, quelque chose comme ça. Bref, j'aime bien les petites boîtes cadeaux. Puis je m'en paye jamais pour moi, mais là c'était le Boxing Day. Il y a juste deux choses, ben une chose dans le fond que je suis un peu triste, c'est que j'ai remarqué sur mon label, mon papier de commande, que il y avait du jaune dans le fond du marqueur, fait que je me disais, oh shit, il me manque des affaires. Oui, il me manque des affaires, mais ils ont pris des décisions de me donner d'autres affaires. Fait que je chialerais pas, mais quand même. Fait qu'on va commencer par comme l'affaire la plus boring, c'est just un paper, reusable paper, I suppose, sorry, je parle tout en anglais, à cette heure dans la vidéo. Fait que je suppose que genre je peux emballer des bombes de même, là. Là, je veux pas comme tout le briser, parce que moi je l'ai commandé juste faire des photos. C'est comme un fond d'écran, un fond de photo. Mais je vais sûrement l'utiliser à m'amener pour emballer de quoi, mais je l'ai commandé juste pour ça. Fait que j'aurais pas payé le plein prix pour un petit papier de même. Puis là, comme vous venez de voir, j'ai les Wonder Ball, les Snow Fairy Amaze Ball. Je n'avais commandé juste une. Ça, c'est ce qu'ils m'ont donné à la place de Angel Delight. Puis j'avais commandé le lipstick Ruby. Ça? Ruby Red, I think. Ruby Lipstick Refill. But ils m'ont juste envoyé le case, dans le fond. Fait que, regarde, je l'aurai cette année. Il y a des lipsticks qui viennent en vente parce que là, il y en avait trois à Noël, puis ils sont tous, dans le fond, discontinués. À moins que je fasse amener une commande sur le site UK. Sur le UK, il y en a beaucoup. En tout cas, c'est plate. J'aurais aimé ça avoir le rouge à lèvres, puis pas juste la caisse, là, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que, je suppose que pour, comme, la mistake, ben, c'est pas la mistake, c'est sûrement que, genre, il y en avait juste plus, là. Fait que, à place de pas m'avoir rien, puis que moi, je les appelle, puis que, genre, je négocie avec eux autres, ben, ils m'ont envoyé une deuxième Amaze Ball. Ce qui est cool, parce que, premièrement, elle est en parfaite condition. Fait que, juste pour ça, je suis contente. Là, j'en ai... D'abord, je suis rendue à 3. J'en avais déjà une avant Noël que j'ai pas utilisée. Fait que, gars, ça me fait... Tu sais, si j'arrive à Noël prochain, puis je les ai encore, mais, gars, c'est sûr que je vais pouvoir les utiliser pour m'en donner un cadeau. Ce qui est cool, c'est des super belles bombes de bain. Puis avec la poudre en dedans, qui fait comme de la mousse. J'aime vraiment ça. Parce que, moi, quand je fais des bains... moi, j'aime bien les bombes, j'aime bien les huiles, mais pour ce qui est de mes enfants, puis mon copain spécial, c'est un gars, mais quand il finit une grosse journée dehors de la construction, des fois, il aime ça un bain. Ben lui, il aime pas ça, les bombes. Pas bien, ben, en tout cas. Il aime vraiment beaucoup la mousse. Fait que, quand j'ai des bombes de bain, souvent, c'est pas pour y faire couler un bain, c'est pour moi. Puis j'ai commandé tout une massage bar therapy. C'est la première que j'ai essayé. Je l'ai vraiment aimé, fait qu'elle était déjà already used, je n'avais plus. Puis, je ne savais même pas qu'elle allait discontinuer. Fait que quand j'ai vu ça, it was a surprise, but... c'est triste, j'aurais dû en commander plus. Sérieux, j'avais fait mon panier comme la veille pour le Boxing Day, j'étais tout prêt, puis là, tout n'arrêtait pas de partir, puis c'était vraiment l'enfer pour ça. La commande, ça a pris vraiment 5 fois, là. Puis,
quand j'essayais d'enlever. Quand t'arrivais pour faire rentrer ta carte de crédit, il disait tant, ben là, tu peux pas parce qu'il te manque un produit qui est déjà retombé out of stock. Fait que là, tu retournais, puis tu l'enlevais, puis tu rajoutais d'autres choses. Fait que j'ai mis pas mal de commander plus de massage bar parce que je m'en reste plus gros. J'ai brisé Each Peach. Puis, il me reste rien que Wiki Magic, Wiki Muscle Magic. Il me reste juste celle-là. Ben, tu sais, j'aime ça faire des photos. Fait que quand je les utilise trop, j'ai pète. En tout cas, c'est nono. Mais c'est cela. Fait que là, je vous ai montré la barre de massage, les deux amazing balls. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir réussi à le grab parce que elle est vraiment belle d'avoir. Sérieux, là. Puis, j'allais vous voir tantôt pour mon vidéo en anglais. Je vais essayer. Je comprends pas le tape qui s'est mis tout seul. Bon. Puis, ce que je disais dans mon vidéo. Là, il fait exprès. Ce que je disais dans mon vidéo en anglais, c'est que l'odeur, quand tu l'eau, ça me rappelle tellement de quoi, là. Je pense que je suis tout en train d'effoirer à bon. Ça me rappelle, je vais vous montrer cette, la petite bombe, je ne sais pas si ceux qui l'ont senti, Winter Garden. Quand j'ai commencé comme à vraiment capoter sur l'oche, j'avais commandé sur le UK, parce que dans le temps, il y avait plein de bombes exclusives. Il y avait, surtout, je voulais le Shower Gel Love the Missile, sérieux. Ce qui est plate dans... Là, c'est moins de même, mais dans le temps, il y avait beaucoup, beaucoup de stock. Tu commandais, puis genre 3 mois après, on l'avait ici, puis genre, j'aurais payé vraiment 2 fois moins cher. Puis le shipping est extrêmement cher du UK. Mais dans le temps, j'avais commandé une bombe que celle-là n'est jamais venue au Québec. C'était, tu sais, genre la fleur sacrée du lotus, Sacred Flower Lotus. Puis, elle avait plein de petites pétales mauves, en dedans, elle était jaune. Tu sais, comme le dessous, c'était vraiment rond blanc, comme une bad bomb, là. Mais tu sais, elle avait vraiment fait plein de petites... Elle était fragile parce qu'elle venait avec un petit case en plastique par-dessus. Puis sérieux, ça sentait comme genre ça. Parce que ça y ressemblait beaucoup. Mais c'est cela. Je m'en ennuie de commander tant que ça du UK, mais en même temps, mon compte de banque, ça n'en ennuie pas. Mais c'était... Tu sais, quand il... Je sais pas si le monde a été conscient, mais des fois, il faisait des espèces de... Des exclusivités sortaient comme genre 7-8 shower gel. J'ai mis la mais le premier coup, j'avais réussi à grab genre avocado co-wash. Puis on l'a eu à la Saint-Valentin, puis American Cream. Puis, qu'est-ce que j'avais pogné d'autre? On avait pogné un blanc, me semble. Je m'en rappelle plus. Sultana. J'avais pogné Sultana. Ça, je suis contente. Puis après, ils ont refait un autre. L'année, exactement la même date, l'année d'après, j'étais dans le sud encore. J'étais en vacances, mais là, j'avais prévu le coup avant de partir. J'avais fait envoyer ça chez mes parents. J'avais réussi à pogner... ça, c'était les odeurs de bombe de bain. J'avais eu Intergalactique, les gardiens de la forêt. J'avais eu Sex Bomb, Turmeric Latte. Je sais pas, j'en oublie. Groovy Kind of Love, la orange. En tout cas, j'en avais eu Goddess Bad Bomb. J'étais vraiment contente d'avoir les Shower Gel. À un moment donné, c'était les Body Lotion qui ont fait. Ça, j'avais rien qui réussit en Grab 4. C'est comme Yuzu and Coco, j'ai jamais réussi à pogner le Shower Gel, ni le Body Lotion, Lord of Missoul non plus, ni Butter Bear. Mais j'ai réussi à avoir Noni à Wash the Kid, le Body Lotion. J'ai American Cream et tout du UK, gros pot. J'en ai 4. J'ai Sultana, puis j'ai Avocado Co-Wash. Il est brun, c'est bizarre, la couleur est comme pas belle, mais elle sent bon, tu sais. Je garde tout ça au fridge, moi je prends pas de chance. Tout ce qui est Black Pot, chez nous, c'est... j'ai 2 frigidaires. Le frigidaire du sous-sol, proche de ma douche où je me lave, c'est souvent mes body lotion puis, ou les body conditioner. Puis mon frigidaire en haut, je garde mes masques, je garde toutes mes shower jelly pour les toothpaste, pour brosser les dents. Je garde des scrubs, les body scrubs en pot. Puis dans le réfrigérateur en haut de ce frigidaire-là, je mets toutes les shower jelly. Fait que c'est ça. Je vais accélérer parce que sinon, je vais même parler de ça. Fait que tout, j'ai commandé a little roasting chestnut and on an open fire. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai déjà une grosse bouteille. J'en avais une grosse, une petite. J'ai donné une petite à mes parents. Moi, j'aime vraiment le fire. Puis quand tu le sens, c'est quelque chose, mais souvent les shower gel de loge, il faut que tu les utilises. Quand tu les utilises, on dirait qu'ils se dégagent, l'odeur se déploie, si je pourrais dire. Puis le côté fire, j'adore. Je peux juste faire une référence au parfum de loge Staying Alive,
que j'ai pogné au produit discontinué, genre à même date l'année passée, je pense. Puis, sérieux, j'ai comme payé 90$, puis je savais pas ce qu'il sentait. Tu sais, genre, il devait valoir comme 180. Puis, quand il est arrivé ici, j'ai fait « Oh my God, ça sent trop bon, là. Sérieux, là, ça sent comme genre le feu de camp l'été, mais tu sais, il est sweet un peu. Fait que, tu sais, comme peut-être, genre, tu te fais griller des guimauves au feu de camp l'été. Je suis vraiment in love with Staying Alive parfum. Dans le fond, je suis vraiment reconnaissante de le réussir à l'avoir eu. Puis, la seule autre affaire qui me fait penser un peu à ça, c'est ça. C'est ce shower gel-là, mais il y a un petit touch épicé en plus. Puis j'aime ça, moi, tout ce qui est cinnamon, puis clou de girofle, puis cardamone, puis tout. Fait que c'est vrai. Parce qu'on me le décrivait comme cinder. Quand j'avais été en boutique, les staff, ils disaient « Ah, ça ressemble à cinder. La couleur ressemble à cinder. Le, le spicy, puis le sweetness aussi, ça ressemble à cinder. » Mais moi, c'est le fire qui est venu me chercher. C'est ce côté-là comme fumé smoky, je pourrais dire. C'est vraiment venu me chercher. Fait que je vais accélérer. Parce que je vais essayer de classer en dedans de 15 minutes mes vidéos. Fait que là, j'ouvrirai pas, mais elle est genre parfaite condition. Là. C'est Golden Wonder. Fait que ça, je suis contente. C'est ma deuxième. Je l'avais acheté avant Noël parce que je voulais la bombe de bain Roar. Fait que c'est Jurassic Spark with TikTok and Roar Bad Bomb. Comme ça. J'ai eu Secret Santa. Puis, sérieux, là, moi, les gifs, là. J'ai hâte de tous les rouvrir et de faire attention, de tous les refermer, puis ah, ça va être tout prêt pour l'année prochaine. Fait que Secret Santa, on a la Candy Cane Reusable Bubble Bar, puis on a Snowman Dreaming, qui est la Bad Bomb. Ça, c'est ma deuxième, parce que j'ai pas encore utilisé l'autre. Dans le fond, moi, à Vanna, je m'étais payé la War... Ben, mon cadeau de mon chum m'a payé la War Gift, puis j'avais fait venir... J'avais fait venir comme une grosse tanante le Advent Calendar of UK. Ça, c'était ma gâterie de lockdown de coronavirus. Je me suis dit, je vais avoir ça. Sérieux, c'est un gros ouvrage. Je m'étais donné le défi, moi, de faire la photo tous les jours. De faire la photo du produit tous les jours et de l'utiliser, puis de faire comme tout le thème de ça. Fait que, genre, du 1er décembre au 24 décembre, c'était que mon Advent Calendar sur mon Instagram. Mais tu sais, j'aimais ça, mais c'est sûr que j'avais quand même fouillé avant, j'avais tout checké, j'avais pas mal tout checké, puis quand tu le commandais, tu voyais ce qu'il y avait dedans, tu savais juste pas dans quel cas c'était. Fait que tout ce qui était Noël, là, je l'avais déjà pas mal. Fait que ça, c'est comme, si je l'ai pas utilisé, il m'en reste un, puis si je l'avais pas utilisé, ben là, c'est mon, comme, c'est des backups, c'est des deux puis des troisièmes. J'aime vraiment tout le temps ça, avoir du stock de plus. Là, quand t'as un cadeau vite à donner, des fois les enfants m'arrivent « Ah, c'est mon ami, ça fait! » Là, j'ai dit « C'est une petite fille, ça marche bien! » Fait que bref, on va continuer avec Season Greeting. Qui est sérieux, celle-là vient souvent en stock si vous la voulez. Je sais que depuis le 26, comme tout est parti d'une traite, ils ont fait un petit restock, genre, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Puis après, il reste juste le lipstick case comme que j'ai. Il y a juste ça qui est tout le temps là, genre. Puis des petites peluches pour se brosser les dents blanches, cool. Puis celle-là, des fois, elle revient. Elle était là, je pense, hier. Fait que si vous voulez, le Snow Cake Soap puis la Groom Cream, je pense qu'il y a 8,97 la boîte au prix du Boxing Day. Fait que checky. This one, et c'est Oh My Clementine, c'est Oh My Clementine avec Orange Shower Scrub, c'est mon troisième pot. Once Upon a Time, c'est mon troisième pot, mais c'est mon premier de cette année, j'en ai d'autres des autres années dans le frigidaire. Golden Pear Soap, c'est mon troisième cette année, j'en avais, c'est mon deuxième, c'est mon troisième. Ah, ok, ouais, mon chum avait été au Loche en joue. À cachette, puis il m'en avait racheté un, puis j'en avais un dans l'Advent Calendar, puis ça c'est mon troisième. Puis il m'en restait un en forme de poire de l'autre année d'avant. Bref. Ça c'est The Night Before Christmas, Shoot for a Star Bad Bomb and Twilight Bad Bomb, like this. Puis je sais pas si vous avez vu le stock de Saint-Valentin sorti un matin, et puis je trouve, personnellement, je pense que la bombe de bain s'appelle Love Dots. Elle est rose et elle a vraiment le style de Shoot for a Star. Elle est rose, puis il y a des golden, il y a des comme des cœurs en or.
Elle, c'est des étoiles. Mais j'aime vraiment ce style de bombe de bain-là. Je cross my finger, tout. Je vais essayer de m'empoigner. Mais je ne sais pas pour ceux qui ne savent pas, je suis serveuse barmaid et en coronavirus, depuis un méchant bout, on est fermé. Fait que, mettons que je suis plus mollo, celle-là, je fais attention. Ça, je suis vraiment chanceuse, mon chum, il me garde gros. Ça, c'est supposément mon cadeau de fête. Ma fête, ça en vient dans 2-3 semaines. Fin janvier, c'est ma fête, fait que c'est mon cadeau. Bon, pour la dernière, c'est Little Snow Fairy, like this. Avec le Snow Fairy Bath Bomb and Snow Fairy Shower Gel. Le Snow Fairy Bath Bomb, il m'en reste une. Fait que là, j'en ai deux. Puis le Shower Gel, je pense que j'en ai un. Je sais que je l'ai donné à Noël. Mais je pense qu'il m'en reste un. J'espère. En tout cas, fait que ça finit ça comme ça. Je pense que le papier, je vous l'avais montré. Pour faire des photos. Ben, normalement, c'est photo emballée, là, mais moi, je vais faire des photos. Fait que c'est ça. Si vous avez des commentaires, let's go, j'aime ça. C'est là que j'ai pogné des commentaires de refaire mes vidéos en français. Sérieux, j'y pensais vraiment plus. J'avais vraiment, moi, sur mon compte Instagram, c'est que anglo, parce que j'en ai une qui me parle français, qui vient du Québec. C'est à peu près tout. Fait que je suis contente de voir que j'ai des demandes, parce que... C'était comme si j'étais tout ça sur une ligne 2 au Québec qui tripait sur l'oche. Fait que, si vous aimez ça, thumbs up, commentez, c'est que je vais vous répondre, puis ça me fait tout le temps plaisir de vous lire. Puis je vous souhaite une super bonne journée, puis merci de m'avoir écouté. Bye bye!